Yo yo yo, bonjour la famille, c'est Ladokon chef. Si j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui, c'est afin de m'adresser à la jeunesse. Cette jeunesse qu'on demande de se dissocier de la politique. Entre-temps, quand les politiques là ont besoin de faire leur basse besogne, ils ont besoin de cette jeunesse. Pourquoi dissocier la jeunesse de la politique? Entre-temps, la jeunesse et la politique vont de pair. La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. La jeunesse, c'est le devenir d'une nation. J'ai été choqué par ce message envoyé par un jeune Gabonais qui se plaint de la suppression de la bourse pour les masters. Parce que les gars exigent une moyenne de 14. Bon, pour moi déjà au départ, pour moi au départ, dès le départ, obtenir 14 n'est pas un problème en fait. Parce que nous ne sommes pas là pour encourager la médiocrité. Ça, ce n'est pas le problème. L'obtention des 14, ce n'est pas le problème. Moi, mon problème figure à ce niveau. Est-ce que les élèves ou les étudiants gabonais apprennent dans les conditions pour obtenir les 14? Apprendre dans les conditions, c'est quoi? C'est avoir des structures. C'est avoir des livres. C'est avoir des bibliothèques. C'est avoir des bourses. De façon normale d'abord pour commencer. Parce que pour qu'un jeune apprenne très bien, il faut qu'il y ait d'abord des conditions d'apprentissage. On n'apprend pas. En fait, le niveau scolaire et étudiantin au Gabon est chaotique. Mais on demande l'excellence. Vous ne voyez pas que c'est paradoxal? On ne peut pas demander de l'excellence à quelqu'un qui apprend dans des conditions chaotiques. On ne pourra jamais faire ça. En fait, c'est dire une chose et son contraire en même temps. Jeunesse gabonaise, il faut que tu sois consciente. Que tu sois consciente que ces derniers n'ont pas envie que tu sois l'élite de demain. Ils ont besoin de toi dans la débauche, dans l'embrouillamini, dans la bêtise. C'est comme si chaque matin, Sylvia Bongo prenait son tote. Être avec l'eau de la SEG, là, elle avait son tote. Chaque matin, avec l'eau de la SEG. Et après, les Gabonais consomment ça, ils deviennent plus en plus édoumbés. Jeunesse gabonaise, tu dis t'épanouir. T'épanouir, c'est lors des concerts. T'épanouir, c'est aller prendre les 5000. Parce que vos bourses, là, ils vont vous remettre ça en 5000. Donc, ce qui vous revient de joie, ils vont vous faire ça en mode mendicité. C'est ce qu'ils font. Hein. Pour l'instant, là, ils n'ont pas besoin de vous. Mais lors des meetings, lors des concerts stupides, ils vont venir vous donner 5000 la tête. Et le Gabonais, vous oubliez tout ce qu'il a eu à subir. Jeunesse gabonaise, toi qui vas dire aujourd'hui, le message là est adressé aux étudiants. Moi, je ne suis pas étudiant. Moi, je suis un Gabonais lambda. Mais même toi, le Gabonais lambda, est-ce que tu as le travail? Même toi, le Gabonais lambda, même si tu veux dire, je veux me débrouiller au marché, c'est compliqué. Même toi, le Gabonais lambda, tu n'arrives même pas à subvenir à tes propres besoins. Entre-temps, pour qu'un gouvernement puisse parler à sa jeunesse, il doit mettre la jeunesse dans les conditions. Vous dire que voilà, les formations sont là, et quand on termine chaque formation, on découle à un emploi. On ne découle à rien, on ne fait rien. On nous prend juste pour la distraction, juste pour le bruit, aller au concert, aller machin, prendre des t-shirts, voter, et après la vie continue. Mais il faut que vous soyez éveillés. Le tour là, c'est la jeunesse gabonaise qui va prôner la liberté du Gabon. C'est pas moi le Ladokon chef qui figure en France, c'est vous. C'est vous-même d'abord. Le combat, le véritable combat commence par vous. Quand vous demande de ne pas partir dans les trucs des gars là, ne partez pas. Mais bizarrement, le Gabonais, quand on demande de ne pas partir, il va toujours trouver une raison à partir. Bon, vous voulez seulement qu'on vous utilise? On va vous utiliser comme des papiers hygiéniques jusqu'à quand? Après, parce qu'il vous prend après utilisation, il met dans la fosse, il tire la chasse. Et c'est fini en fait. Jusqu'à quand on va vouloir se contenter du peu? Entre temps, on peut juste en restant chez nous avoir tout. Jeunesse gabonaise ne te laisse plus distraire. Le tour là ne te laisse pas distraire. Parce que si toi, tu te laisses distraire, regardez comment c'est les jeunes qui gèrent le Gabon en ce moment là. Donc si toi tu te laisses distraire, c'est fini. Je dis bien c'est fini. Rendez-vous en 2050 et vous n'avez que les yeux pour pleurer. Bon, vous savez quoi, il se bougeait.